Yes, Lord, we glorify your holy name. We bless your holy name. We thank you because you are mighty. Oh, yes, Almighty God. We adore you, Jehovah. We adore you, El Shaddai. We adore you, Adonai. We adore you, the King of glory. We adore you, Mighty God. Receive all the glory. Oh, yes, O Lord. Oh, yes, O Lord. Together, wonderful to me. Ah, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we have prayed. Someone shout it louder. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You may be seated in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Glory. Hallelujah. Nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu. We want to thank God. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous a encore donné le souffle de vie. We want to thank him for the breath of life. Nous voulons dire au Seigneur des grands merci parce qu'il nous a gardés et protégés. We want to say thank him, thank you because you kept us and protected nous us. Savons que sans la protection de Dieu, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. We know that without the protection of God, we won't be where we are today. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, partout là où tu es, il faut élever le nom de Jésus-Christ. That's why wherever you are, you have to elevate the name of Jesus. Père, nous te bénissons pour ces jours merveilleux. Father, we thank you for this day. Nous te glorifions parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. We glorify you because you are the alpha and the omega. Nous bénissons ta présence parce que tu n'as point changé. We bless your name because you never change. Nous t'invitons encore une fois à dominer au milieu de nous en ces jours. We want you to dominate in our midst. Laisse que toute la gloire et l'honneur ne te soient rendus qu'à toi seul. Let all the glory and the honor be unto you. Aujourd'hui encore, ta parole transforme nos vies. And let your name transforms our lives. Et laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi maintenant et à jamais. And let all the glory remain to you on dans le nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus, nous avons prié. We have prayed avec action de grâce. With thanksgiving. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons commencer un programme spécial. We are starting a new program today. Comme nous nous trouvons dans la deuxième partie du semestre. As we are in the second part of the semester. Mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions rechercher la présence du Seigneur. So it's very important to seek for the face of God. Pour que le Seigneur puisse continuer à transformer nos vies. For God to carry on transforming our lives. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que nous allons commencer un programme. That's why we are starting a program de jeûne et prière. Of fasting and prayer. Je sais que lorsque nous parlons de jeûner et de prier, I know when we talk about fasting and prayer, beaucoup de gens n'aiment pas entendre ces sujets. Many people doesn't like to hear that. Mais nous savons, mon frère, ma soeur, que la transformation dans nos vies but we know that transformation in our lives ne peut commencer que lorsque nous suivons les instructions du Seigneur. Can only start when we follow the instructions of God. Pour que nous puissions avoir une relation avec Jésus-Christ. For us to have a relationship with God. Et pour que nous puissions obtenir nos bénédictions. And to obtain our blessings. Nous devons, mon frère, ma soeur, utiliser les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition. We need to use the means that God has put in our disposition. Ainsi, en commençant ce semestre, mon frère, ma soeur, so by starting this trimester, le Seigneur a mis dans nos cœurs que nous puissions les rechercher encore une fois dans la prière et les jeûnes. The Lord convinced us to seek for in prayer and fasting. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur voudrait faire dans nos vies. There's a lot of things that God wants to do in our life. Il y a encore beaucoup de bénédictions que le Seigneur veut déverser dans nos vies. There's a lot of blessings that God wants to disperse in our lives. Et l'un des moyens que le Seigneur permet que nous puissions obtenir ces bénédictions. And one of the means that the Lord has put in our disposition. C'est au travers du jeûne. Is through fasting. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu puisses entendre ce message et te préparer conséquemment à jeûner. So I want you to hear this message and prepare yourself to fast. Comme je le disais, je comprends, mon frère, ma sœur, que le sujet de jeûner. As I said that the subject of fasting. C'est un sujet que beaucoup de gens aiment éviter. Is a subject that many people doesn't like to. Mais mon frère, ma sœur, il y a quelque chose d'important que je voudrais que tu redécouvres encore dans le moyen de jeûner. But there is something important that I want you to discover in fasting. Nous devons savoir, mon frère, ma sœur, que le jeûne, bien que ça soit pénible. I know that I want you to understand that fasting, even though it can be difficult. Mais c'est un moyen efficace, mon frère, ma sœur, pour emmener la transformation dans ta vie. Is an effective way to bring transformation in your life. Et ma prière ce matin. And my prayer this morning, et que ce message, qui est une série de messages de ces mois, puisse emmener dans ta vie la transformation que tu cherches
dans le nom de Jésus-Christ. Is that this message will bring transformation in your life? Nous allons voir dans les Écritures, dans les enseignements de Jésus-Christ au sujet du jeûne. We are going to see in the scriptures. Et il y a deux Écritures majeures que Jésus-Christ ici est en train de nous enseigner. And there are two main scriptures that Jesus Christ is teaching us. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. À partir du verset 5e jusqu'au verset 6e. First one is in the book of Matthew 6, verse 5 to 6. Jésus nous dit quelque chose. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Je voudrais que vous puissiez regarder ces mots qui est souligné en rouge. Ils reçoivent les récompenses. I want you to look at the word that is highlighted in red. They receive the reward. Nous voyons que Jésus-Christ commence par dire lorsque vous priez. Jesus Christ starts by saying when you pray. Donc c'est pour dire que la prière pour Jésus-Christ, c'est une chose normale dans la vie d'un chrétien. Saying that prayer is something normal in the life of a Christian. Ça signifie que Jésus-Christ nous invite automatiquement à adhérer à une vie de prière. So Jesus Christ wants us to have a prayerful life. Jésus ne dit pas si vous voulez prier. Jesus does not say if you want to pray. Mais il dit lorsque vous priez. But he say when you pray. Ça signifie mon frère, ma soeur, Jésus-Christ s'attend à ce que toi et moi, nous puissions nous engager chaque jour et régulièrement dans la prière. So Jesus Christ expects us to engage in prayer. Et quelque chose d'important est que la prière, mon frère, ma soeur, amène des récompenses dans nos vies. And something important is that prayer brings reward in our life. Et ici, Jésus-Christ nous enseigne comment est-ce que nous devons prier. And here, Jesus Christ teaches us about how can we pray. Et au verset 6, il dit, mais quand tu pries. And in verse 6, the Bible says, when you pray. Ça dit, Jésus-Christ commence d'abord par une notion générale. So Jesus Christ start talking in a general way. Il commence d'abord par nous montrer la nécessité pour les chrétiens de prier. He show us the necessity of a Christian to pray. Et au verset 6e, il entre maintenant d'une façon particulière en s'adressant à chacun de nous. And in verse 6, he now talk in an individual way. C'est-à-dire, il te parle comme il me parle aujourd'hui. He talks to you the same way he talks to il me. Il dit, quand tu pries. He say, when you pray. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus s'attend à ce que toi, individuellement, tu puisses t'engager dans la prière. So, Jesus expects you to engage in prayer. Et il termine en disant ceci, ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. And he finished by saying, your Father that sees in the secret, we give it back to Donc, you. Donc, ça signifie, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, il y a des choses que Dieu fait pour toi. That means that when you pray, there are things that the Lord will do for C'est-à-dire, you. Quand tu pries, il y a des bénédictions qui viennent s'accomplir dans ta vie. When you pray, there are blessings that will come to be accomplished lorsque into your prie, life. Lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, il y a des bénéfices que tu reçois dans ta vie. When you pray, there are benefits that you will receive. Et je prie que pendant cette session de jeûne et prière, pendant cette période, les bénédictions de l'Éternel vont descendre dans ta vie. And I pray that during this prayer, this period of prayer and fasting, blessing will come upon you. La deuxième lecture, c'est dans les livres de Matthieu, le chapitre 6, au verset 16 jusqu'au verset 17e. And the second scripture is in the book of Matthew 6, 16 to 17. Ici, il nous dit, lorsque vous jeûnez. Here they say moreover when you fast. Dans les versets qui précèdent, il nous dit lorsque vous priez. But in the other verse that is before that he said when you pray. Et ici il reprend la même citation lorsque vous jeûnez. But here he starts now by saying when you pray. Il termine en disant ils reçoivent les récompenses. You shall receive your reward. Donc mon frère, ma soeur, il y a un parallélisme entre la prière et les jeûnes. So there is a link between prayer and fasting. Lorsque nous prions, when we pray, nous obtenons des bénédictions. We receive blessings. Lorsque nous jeûnons, when we fast, nous obtenons aussi des bénédictions. We also receive blessings. Voilà mon frère, ma soeur, des écritures qui doivent nous encourager. Those are the scriptures that need to encourage pour us. Que nous puissions nous engager constamment et régulièrement dans la prière. Engage into prayer et aussi dans les jeûnes and in fasting. Et dans les versets 17 il ajoute ceci and in verse 17 he adds mais quand tu jeûnes
But Alléluia. When you fast, ça dit, Jésus s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, personnellement. So Jesus Christ is talking to you individually. C'est pour dire que chaque chrétien, partout là où tu te trouves, quelles que soient tes occupations, tu dois savoir que la prière est une nécessité. Meaning that every Christian, wherever you are, you have to know that prayer is a necessity. Quelles que soient les obligations que tu as dans la vie, mon frère, ma soeur, la prière est une nécessité. No matter the obligation that you have in life, prayer is a necessity. Donc il n'y a aucun chrétien qui peut dire que non, moi je ne peux pas prier. There is no Christian that can say no, I cannot pray. Ou chrétien qui peut dire que je ne sais pas comment prier. Or a Christian that can say I don't know how to pray. Jésus nous dit que nous tous, nous pouvons prier. Jesus said that all of us can pray. Voilà pourquoi pendant cette semaine, mon frère, ma soeur, nous devons prier. That's why during this week we want to pray. Et il ajoute encore que vous pouvez jeûner. And Jesus added that you can fast. Donc il n'y a aucun chrétien qui peut dire que je ne peux pas jeûner. So there is no Christian that can say I cannot fast. C'est-à-dire quelle que soit ta situation. Meaning no matter your situation, quel que soit les problèmes que tu peux avoir dans la vie, or the problem that you can have in life, il y a toujours un moyen pour toi de jeûner. There's always a way for you to fast. Il y a toujours une manière disponible pour toi de jeûner. There's always a way for you to fast. Et lorsque tu comprends la signification du jeûne, and when you understand the meaning of fasting, mon frère, ma soeur, tu enlèves de ta tête cette idéologie traditionnelle et religieuse que nous avons du jeûne. You are going to remove that idea. Traditional idea that we have on fasting. Jésus nous dit que nous tous nous pouvons jeûner. Jesus said that all of us can fast. Et les jeûnes comme la prière sont deux moyens qui sont capables de faire descendre des bénédictions dans notre vie. So fasting as prayer are means that can bring blessings in our life. Je continue. Il dit, lorsque vous jeûnez, lorsque tu jeûnes, ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. He said, when you fast, your father that sees in the secret will give it back to Donc, you. Nous voyons ici aussi que lorsque nous jeûnons, nous recevons aussi des récompenses. So we see here that when we fast, we also receive a reward. C'est-à-dire, le jeûne n'est pas un acte, comme je dirais, bénévole. So fasting is not a benevolent. Ce n'est pas un acte gratuit. It's not free. Mais derrière le jeûne, mon frère, ma soeur, behind fasting, nous devons savoir qu'il y a des bénédictions. We have to know that they are blessings. Et Dieu regarde celui qui jeûne. And God sees the one that fasts. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui tu commences à jeûner, so to say that if today you start fasting, la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur toi. The Bible said that the eyes of the Lord are upon you. Pour te faire du bien. To make you do good. Que quelqu'un dise amen. Amen. C'est-à-dire Dieu est prêt à te bénir. That means Alléluia. That God is ready to bless Donc, you. Donc mon frère, ma soeur, derrière cette peine, behind that pain, il y a ces gains. There is that win. Derrière cette souffrance, behind that suffering, il y a cet avantage. There is that advantage. Derrière cette douleur, behind that pain, il y a cette allégresse. There is that happiness. De savoir que lorsque je jeûne, that to know when I fast, le Père qui me regarde, the Father that sees me, me les rendra. We give it back Ça to me. Ça signifie il me bénira. Meaning he will bless me. Là où il y avait la douleur, il va amener ce qu'on appelle la consolation. Where it was painful, it will bring it will bring healing. Et là où il y avait la maladie, il amène la guérison. And where there was sickness, it will bring healing. Là où il y avait une condition difficile, le Seigneur intervient et donne la solution. Where the condition was difficult, the Lord will come and intervene. Donc mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions prier so et jeûner. It is very important for us to fast. Donc le Seigneur pray. Viens encore une fois, mon frère, ma soeur, nous inviter en tant que chrétiens. So the Lord come and ask us as Christians de nous engager dans une vie de prière et de jeûne. To engage in the life of prayer et and fasting. Et les jeûnes comme la prière sont deux moyens importants. And prayer as fasting are two important means. Et Dieu veut que nous puissions vivre une vie chrétienne caractérisée par les jeûnes et la prière. And the Lord wants us to live a Christian life characterized by prayer and fasting. Et je voudrais dire ici, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des conditions. I want to say here those are not conditions. Mais ce sont des modalités. But those are modalities. Ce sont des obligations. Those are obligations. Qui nous permettent de recevoir les bénédictions du Seigneur. That make us to receive blessings from qui God. Qui nous permettent de pouvoir
mon frère, ma soeur, exister sur la terre. That allow us to exist on earth. Qui nous permet aussi de nous épanouir sur la terre. And allow us to flourish on earth. Un chrétien doit régulièrement prier et jeûner. A Christian need to pray and fast. Mon frère, ma soeur, dans les Écritures, inside the scriptures, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés qui parlent du jeûne. There are many scriptures that are used that talk about fasting. Et il y a deux mots particuliers qui reviennent chaque fois lorsqu'on parle du jeûne. And there are always two words that comes back when we talk about prayer and fasting. Et ces deux mots, mon frère, ma soeur, définissent encore une fois les rôles du jeûne dans la vie d'un chrétien. And those two words define the role of a Christian. La première chose, le premier mot que nous trouvons, c'est dans les livres de Luc, le chapitre 14, au verset 11. The first one is in the book of Luke 14, verse 11. Dans Luc 14, le verset 11, la Bible dit ceci. Luke 14, 11. Il dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, mon frère, ma soeur, ici nous voyons le premier mot qui est semblable ou qui parle des jeunes, c'est le mot s'abaisser. And the first word that we see here is humble. Alléluia. Le terme est s'abaisser. To humble yourself. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que lorsque nous parlons du jeûne, nous parlons d'un abaissement. So we need to understand that when we talk about fasting, we talk about humbling ourselves. Le deuxième verset, c'est dans le livre de Jacques, le chapitre 14, dans le livre de Jacques, le chapitre 4, pardon, au verset 10e. And the second verse is in the book of James 4, verse 10. Et là, la Bible parle de s'humilier. And here the Bible is talking about humiliating yourself. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. The Bible said that humiliate yourself before the Lord and he will elevate you. Mon frère, ma soeur, nous voyons ici qu'il est important de comprendre l'importance de jeûner. So here we need to understand the importance of fasting. Jeûner, mon frère, ma soeur, nous emmène à nous abaisser devant le Seigneur. So when you fast, you humble yourself before the Lord. Lorsque nous jeûnons, mon frère, ma soeur, ça nous emmène à nous humilier devant le Seigneur. When we fast, we humble ourselves before the Lord. Alléluia, gloire à Jésus. Glory to dans Jesus. 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 6. In 1 Peter 5, verse 6. La Bible dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Nous nous humilions devant le Seigneur. So we humble ourselves before the Lord. Et la Bible dit que nous devons rechercher l'humilité. And the Bible said that we need to look for humility. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous humiliera jamais, mon frère, ma soeur. The Lord will never humiliate ourselves. Le Seigneur ne va pas nous amener à nous abaisser. The Lord will not bring us to humble. Donc ça signifie que c'est une responsabilité individuelle. So that means that is an individual responsibility. Mon frère, ma soeur, c'est ta responsabilité à rechercher à t'abaisser. It's a personal responsibility to seek for humbling yourself. C'est ta responsabilité de s'humilier. You need to seek on how to humble yourself. Et cela, mon frère, ma soeur, c'est devant le Seigneur. And this is before the Lord. On ne te demande pas de t'humilier devant un homme. We don't ask you to humble yourself before a man. On ne te demande pas de t'humilier, mon frère, ma soeur, devant un être humain. We don't ask you to humble yourself before a human being. On te demande de t'humilier devant le Seigneur. But we ask to you to humble yourself before the Lord. Et ça, c'est une tâche que tu es seul à accomplir. And this is a task that you need to accomplish by yourself. C'est une tâche que tu dois prendre personnellement. It's a personal task. Ça doit venir de ta volonté. This has to come by your own will. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on te force à faire. It must not be something that they force you to do. Mais c'est quelque chose que tu fais parce que tu connais qu'est-ce que tu vas obtenir à la fin. But you do it because you know what you are going to gain at the end. Chaque fois que tu t'humilies devant le Seigneur, every time you humble yourself before chaque fois the que Lord, tu t'abaisses devant le Seigneur, you humiliate yourself, mon frère, ma soeur, il y a toujours l'élévation qui always a lift up that il y a comes. Toujours l'élévation qui se manifeste dans ta vie. You are going to be exalted. Et cette élévation, mon frère, ma soeur, vient sous forme de bénédiction. And that exaltation comes through a way of humiliation. Non,
C'est une qui vient avec toujours cette élévation, cette bénédiction. He always comes with blessings. Ça vient avec la bénédiction, mon frère, ma soeur. He comes with blessings. Toute personne qui s'humilie devant le Seigneur, every person that humiliates themselves before sortira the Lord, toujours élevé. Will always come out exalted. Toute personne qui s'abaisse devant le Seigneur, every person that humiliates themselves before sera the toujours Lord, élevé. Will always be exalted. Les jeûnes, mon frère, ma soeur, t'élèvent. Fasting will exalt you. Les jeûnes, mon frère, ma soeur, t'élève. Fasting will lift you up. Les jeunes, mon frère, ma soeur, t'ouvrent la solution à ton problème. Fasting will open and give you solution to your problem. Quelles que soient les situations qui tourmentent ta vie, no matter the situation that torment your life, lorsque tu jeûnes, mon frère, ma soeur, when you fast, sache qu'au temps convenable, know that at the right time, le Seigneur te donnera une réponse. The Lord will give you an answer par rapport à ces problèmes que tu traverses. According to your problem. Donc il est important, mon frère, ma soeur, de jeûner. So it's very important to fast. Parce qu'au temps convenable, because at the right time, le Seigneur agira pour nous. The Lord will take action. Et pourquoi est-ce que nous devons jeûner? And why do we need to fast? Et pourquoi le terme jeûner est attaché à ces deux différentes actions qui sont s'abaisser et s'humilier? And why fasting is attached to those two words? Parce que ça a à faire avec notre âme. Because this has it has a link with our soul. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous puissions transformer nos âmes. The Lord wants us to transform our soul. Dieu veut que nos âmes soient transformées. The Lord wants our soul to be transformed. Et l'unique manière de transformer l'âme, mon frère, ma soeur, and the only way to transform our soul, c'est au travers du jeûne. Is through fasting. Le jeûne, mon frère, ma soeur, fasting, se concentre par rapport à notre âme. Concentrating on our soul. L'objectif du jeûne, mon frère, ma soeur, the main objective of fasting, c'est d'amener la transformation de ton âme. Is to bring transformation of your soul. Et lorsque nous parlons de l'âme, mon frère, ma soeur, and when we talk about your soul, nous parlons de tes pensées. We talk about your thoughts. Nous parlons de ta volonté. We talk about your will. Et nous parlons de ton intelligence. And we talk about your intellect. Ces trois domaines, mon frère, ma soeur, those three domains, ont besoin du jeûne. Need fasting pour s'aligner dans la volonté de Dieu. To align themselves to the will of God. Voyons cela dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. We are going to see that in the book of Leviticus 23. Lévitique 23, le verset 27. Leviticus 23, verse 27. La Bible dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Écoutez bien. Vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes. You shall afflict your soul. Donc nous voyons que l'humiliation ici, mon frère, ma soeur, c'est par rapport à notre âme. So we see that that affliction is on our soul. Cet abaissement, mon frère, ma soeur, c'est par rapport à notre âme. That humiliation is on our soul. Le Seigneur veut transformer notre âme. The Lord wants to transform our soul. Le Seigneur veut changer notre âme. The Lord wants to change our soul. Pour que notre âme s'aligne dans la volonté de Dieu. For our soul to align into the will of God. Pour que notre âme permette que la volonté de Dieu s'accomplisse. For our soul to allow the will of God to be accomplished. Dans le livre des Psaumes encore 35, le verset 13. In the book of Psalms 35, le verset verse 13. 13. Nous voyons ici David qui est en train de faire une prière au Seigneur. So we see here David praying to the Lord. Il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac et il ajoute, j'humiliais mon âme par les jeûnes. So David Alleluia. Said that he was putting a sackcloth and humbled his soul before the in fasting. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, cet effet-là, que lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, c'est pour que notre âme puisse avoir une transformation. So we see that when we humble our soul before the Lord, it's for our soul to receive transformation. Parce que notre âme, mon frère, ma soeur, a toujours été enveloppée par l'orgueil. Because our soul has always been covered by proud. Et l'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est le péché primaire qui est entré dans la vie de l'homme. And that proudness is the first sin that entered the man. En chacun de nous, mon frère, ma soeur, il y a cette semence de l'orgueil. In every one of us, there is that seed of proud. L'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est de vouloir faire notre propre
propre volonté. And that pride is to do our own will. L'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est de rechercher notre propre satisfaction. Pride is when you just look for your own satisfaction. L'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est cette opposition à la volonté et à la divinité de Dieu. And that pride is that opposition to the will and of God. Et cette nature est en chacun de nous. And that nature is in everyone of us. Et la seule manière, mon frère, ma soeur, de pouvoir briser cette sémence qui est en nous d'orgueil. And the only way to break that seed in us, c'est au travers du jeûne. Is through fasting. C'est en humiliant notre âme. Is by humbling our soul. C'est parce que dans notre âme se trouve le désir. Because in our soul that where the desire dans is. Notre âme se trouve l'intelligence. In our soul that where the intellect dans is. Dans notre âme se trouve la volonté. In our soul that where our will is. Nous cherchons toujours à faire ce que nous voulons. We always want to do what we want. Nous cherchons toujours à penser de la manière que nous voulons penser. We always want to think the way we want. Et nous voulons, Seigneur, nous toujours désirer les choses telles que nous les voulons. And we want to desire things the way we want. Je veux. I want. Je pense. I think. Je désire. I desire. Ces trois choses, mon frère, ma those soeur, three things doivent s'aligner dans la volonté de Dieu. Need to align into the will of God. Il faut que notre volonté, mon frère, ma soeur, we need the will of God, puisse accepter la volonté de Dieu. We need our will to accept the will of God. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important. That's why it's important. Il est très important, mon frère, ma soeur, very important, que nous puissions entrer dans les jeûnes. To enter into fasting. Toi qui m'entends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, you that hear me, combien de fois tu as cherché à faire ta propre volonté? How many times have you seek to do your own will? Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu as cherché à satisfaire au plaisir de tes propres désirs. How many times you seek to satisfy your own will? Combien de fois tu as recherché des solutions, mon frère, ma soeur, par toi-même en dehors de Dieu? How many times you seek for solution outside of God? Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu as recherché à accomplir les désirs de la chair? How many times you seek to look for the desire of the flesh? Et ces désirs s'opposent à la volonté de Dieu. And those will are opposed to the will of voilà God. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est nécessaire que nous puissions jeûner. That's why it's necessary. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, if we want to accomplish the will of pour que God, ce que tu veux, pour que ce que tu veux, so that what you want, ce que tu penses, what you think, et ce que tu ressens, mon and frère, what ma soeur, you feel, puisse s'aligner dans la volonté de Dieu. May align to the will of God. Et une chose, lorsque nous nous approchons de Dieu, mon frère, ma soeur, and when we draw near to the will of God, avec l'orgueil, with that proudness, quelquefois cet orgueil est caché en nous. And sometimes that pride is hidden in mais us. Dieu qui connaît tout voit l'orgueil en nous. But God that knows everything sees that pride in us. Et dans le livre des Psaumes 138, le verset 6. In the book of Psalm 138, verse 6. La Bible dit ceci, l'Éternel est élevé, il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alléluia. Amen. Nous voyons, mon frère, ma soeur, Dieu nous connaît. God knows us. Il ne nous connaît pas seulement de façon charnelle. He doesn't know us just in a carnal way. C'est-à-dire, nous connaît seulement physiquement. Meaning, he doesn't know us only physically. Mais Dieu connaît notre intérieur. But he also know our intent. Dieu voit l'orgueil qui est en nous. He sees the proudness in même us. Même lorsque nous n'avons pas conscience de cet orgueil. Even when we don't have conscience of that. Même proudness. Lorsque nous n'avons pas cette volonté ou cette aptitude de reconnaître cet orgueil. Even when we don't have that will to acknowledge that pride. Mais Dieu voit l'orgueil. But God can see. Et à cause de cet orgueil, mon frère, ma soeur, and because of that pride, l'Éternel résiste à nos prières. The Lord will resist to our prayer. L'Éternel résiste à toutes nos activités spirituelles. The Lord will resist to all our spiritual activities. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même quand tu pries, tu fais toutes les activités spirituelles. That's why when you pray, you do all the activities. Mais tu n'entends pas et tu ne vois pas de réponse. You don't hear and you don't pose-toi see pose-toi la question, answers. Mon frère, ma soeur, si l'orgueil caché n'est pas en toi. Ask yourself the question if that proud, that hidden proud is in you. Et voilà pourquoi tu dois rechercher de jeûner. That's why you need to fast. Pour t'aligner à la volonté de Dieu. To align yourself to the will of et God. Et le jeûne nous aide à nous à être humbles. And the fasting helps us to be humble. Le jeûne nous aide, mon frère, ma soeur, à nous abaisser devant la volonté de Dieu. And fast
fasting help us to align ourselves to the will of les God. Le jeûne nous amène, mon frère, ma sœur, à rechercher et à nous aligner à la volonté de Dieu. Fasting brings us to align ourselves and seek the will of à God. À nous soumettre à la volonté de Dieu. And to submit to the will of comme God. Comme Jésus-Christ. As Jesus Christ. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, versets 8 et 9. In the book of Philippians 2, verse 8 to 9. La Bible dit, Jésus s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Vous voyez, mon frère, ma sœur, les résultats d'une personne qui vit dans les jeûnes. This is the result of someone that lives in fasting. Nous connaissons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. We know the life of our Lord Jesus Christ. Il a commencé son ministère dans les jeûnes. He started his ministry in fasting. 40 jours dans la prière. 40 days in prayer. 40 jours dans les jeûnes. 40 days in fasting. Pour commencer son ministère. To start his ministry. Et pendant toute sa vie dans les ministères. And during all his life in the ministry, Jésus-Christ ne cessait pas de jeûner. Jesus Christ was fasting. Aux dernières heures de sa vie, mon frère, ma soeur. Even at the last time of his life. Lorsque son âme était partagée. When his soul was entre weak, sa volonté propre. Between his own will. Et la volonté de Dieu. And the will of God. Il a jeûné. He fasted. Il a dit, Seigneur. He said, Lord. Que ta volonté soit faite. Let your will be done. C'est ça, mon frère, ma soeur, l'importance de jeûner. That's the importance of fasting. Parce qu'il arrive des moments où nous devons prendre des décisions. Because you reach a level where we need to take decisions. Il y a des moments où nous devons faire quelque chose dans notre vie. When we need to do some things in our life. Et nous n'avons pas, mon frère, ma sœur, cette aptitude de reconnaître entre les bien et les mal. And we don't have that ability to recognize the good and the bad. La seule manière de départager, c'est d'entrer dans les jeûnes. And the only way to have a solution is enter into fasting. Parce que dans les jeûnes, mon frère, ma sœur, because into fasting, nous permettons à Dieu d'agir dans notre cœur. We allow God to act in our lives. Nous permettons à Dieu d'agir dans nos émotions. We allow God to act in our emotions. Nous permettons à Dieu d'agir dans nos sentiments. We allow God to act in our wills. Nous permettons à Dieu d'agir dans notre intelligence. We allow God to act into our feeling. Et lorsque and nous intellect. Sortons, mon frère, ma soeur, and when we come out of nous fasting, acceptons la volonté de Dieu. We accept the will nous of God. Nous obéissons à la volonté de we Dieu. We obey the will même of si God. Même si cette volonté va nous emmener à souffrir. Even if that will bring us to suffer. Mais cette souffrance est pour un temps. But that suffering will be for a time. Parce que à la fin, mon frère, ma soeur, because at the end, l'élévation t'attend. Elevation will que be there. Que quelqu'un dise amen. Amen. Et je sais qu'après ce jeûne, and I know after this fasting, beaucoup de vies seront élevées. Many life will be changed. Même si tu vas souffrir, mon frère, ma soeur, even though you will suffer, à cause de la décision que tu vas prendre, because of the decision you will mais take, mais le résultat à la fin, the result at the end, ça sera l'élévation dans le Seigneur. Will be elevation in que quelqu'un dise amen. Amen. Ainsi, mon frère, ma soeur, so my brother, my Jésus-Christ sister, nous montre l'exemple. Jesus Christ show us the il est important pour nous that is important for us de pouvoir jeûner to fast, pour nous aligner to align ourselves dans la volonté de Dieu. In the will of God. Donc, lorsque nous jeûnons, so when we fast, les résultats sont toujours positifs. The result will always be positive. Je vais vous montrer quelques témoignages dans les Écritures. I want to show you some testimonies in the scriptures qui montrent l'efficacité de jeûner. That shows the efficacy of dans le livre fasting. Des 1 Rois, le chapitre 21. In the book of 1 Kings 21. À partir du verset 22. From verse 22. Ça c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Akab. This is the story of a man called Akab. Et nous savons comment Akab avait épousé une femme qui s'appelait Jézabel. And we know how he was married to a wife called et Jezebel. Nous savons comment Akab avait éloigné Israël de la volonté de Dieu. And we know how Akab departed the people of Israel from the will of God. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas un homme aussi mauvais et méchant que Akab. And the Bible said that there were no man as evil as Ahab. Un homme qui faisait le mal et le mal et le mal. A man that was always doing evil. Mais la Bible déclare qu'un jour le Seigneur envoya les prophètes. But the Bible said that one day the Lord sent prophets. Pour aller parler à Ahab. To speak to Ahab. Au verset 22, il dit ceci. And verse 22, the Bible said. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baasha, fils d'Achisha. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait et tu as
tu as fait pécher Israël. Voilà le Seigneur qui se met en colère et qui dit, maintenant je vais te punir pour tout le mal que tu as fait. So here the Lord was angry against Ahab because of what he did. Et la Bible déclare, écoutez bien au verset 25. And verse 25, listen. Il n'y eut personne qui soit vendu comme Ahab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Ça, c'était la caractéristique, la nature de Ahab. That was the characteristic and the nature of Ahab. C'est-à-dire un homme qui était totalement enclin au mal. So a man that was deeply inside evil. Mais lorsqu'il a entendu les paroles de ses prophètes. But when he heard the word of the prophet. Au verset 27. Verse 27. La Bible dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Ahab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ses sacs et il marchait lentement. Vous voyez l'attitude d'un homme qui était mauvais. So you see the attitude of a man that was wicked. Mais lorsqu'il a entendu le jugement de Dieu sur lui. But when he heard the judgment of God upon himself. Cet homme qui était mauvais. A man that was evil. Cet homme que tout le monde haïssait. A man that was hated by everybody. Cet homme que Dieu était prêt à punir. A man that was God was ready to punish. Mais la Bible déclare que Ahab craignait le Seigneur et la conséquence de ses actes mauvais. So the Bible said that Ahab was fearing the Lord and the consequences of his acts. Et il jeûna. So he fasted. Il jeûna. He fasted. Écoutez bien les versets 28 et 29. Verse 28 and 29. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Ahab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison. So the Bible said that because Ahab humbled himself, the Lord will not bring calamity upon his house when he's alive, but upon his house when the child, the son will be. Vous pouvez imaginer ça? Une personne qui était mauvaise. So can you imagine someone that was evil? Mais lorsque elle a gêné. But when that person fasted. Lorsque cette personne a reconnu que je dois m'humilier devant le Seigneur. And acknowledge that he need to humble himself before the Lord. La Bible dit que le Seigneur a même dit à Élie. So the Bible dit, said that the Lord even told Elijah. Est-ce que tu as vu Ahab s'être humilié devant moi? Have you seen how Ahab humbled himself before me? L'efficacité du jeûne. So the efficiency of fasting. Frère, ma soeur, lorsque tu jeûnes. When you fast. Lorsque tu jeûnes. When you fast. Tu sais combien de condamnations tu es en train de faire passer hors de ta vie. Do you know how many condemnations you are taking away tu in your life? Tu sais combien de condamnations sont en train de libérer ta famille? Do you know how many condemnations are running away from your tu family? Tu sais combien de condamnations divines sont en train de libérer ton existence? Do you know how many divine condemnation away from your family. Un homme qui était extrêmement mauvais. A man that was evil. Mais l'acte de jeûner. But fasting. A éloigné la condamnation de sa vie. Made condemnation to go away. Envoyez ça à la prochaine génération. And send it to the next generation. Mon frère, ma soeur, la puissance de jeûner. The power of fasting. Peut changer une condamnation divine. Can change a condemnation. Que quelqu'un dise amen. Amen. La deuxième écriture. The second scripture, dans le livre de Jonas, le chapitre 3. In the book of Jonas 3. 6 à 10. 6 to 10. Ici, c'est la nation de Ninive. Here is the nation of Nineveh. Une nation qui était mauvaise. A nation that was evil. Une nation ennemie d'Israël. They were an enemy of Israel. Mais Dieu envoie Jonas pour aller prêcher. But God sent Jonah to go and preach. Il dit, dans 40 jours, je vais détruire cette cité. So he said, in 40 days, I will destroy this. Et Jonas this proclamait city. Cette parole partout. And Jonas was proclaiming that word everywhere. Au verset 6, la Bible dit, la chose parvint au roi de Ninive, il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Écoutez bien, un roi païen.
So here in verse 6, a king that was unbeliever. Mais lorsqu'il a entendu la condamnation qui venait sur son peuple. But when he heard the condemnation that was coming upon his people. La Bible dit il s'humilia devant le Seigneur. The Bible said that he humbled himself before et the Lord. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, et les bœufs, et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Imaginez, tous les hommes, même les animaux, personne ne mangeait. So he made a proclamation and published that nobody, even the animals, shall eat. Ouais, les jeunes, mon frère, ma soeur, peuvent s'étendre sur tout ce qui est dans la maison. So fasting can cover everybody that is in the house. Il dit personne ne doit manger. He said nobody will eat. Et personne ne doit boire. And nobody will drink. Et il ajouta que les hommes, les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, voici ce que le jeûne peut faire dans la vie d'une personne. This is what fasting can do in the life of la someone. La transformation de l'âme. Transformation of your soul. Change l'état de l'âme. Fasting change the state of your enlève soul. Enlève la méchanceté qui couvre nos âmes. Remove weaknesses that cover our soul. Enlève les intentions mauvaises qui habitent dans nos cœurs. Remove bad intentions that cover our soul. Enlève les désirs mauvais qui sont en nous. Remove that bad desire in us. Mon frère, ma soeur, c'est que l'éducation ne peut pas enlever. What education cannot bring. Les jeunes ont la capacité de le faire parce que les jeunes touchent l'âme. Fasting can do it because fasting touches the soul. Au verset 9, il dit ceci. Verse 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Et Dieu, écoutez bien, et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Glory be to Jesus. Glory. Vous voyez, Dieu arrête la malédiction, la punition, le jugement qu'il allait déverser sur les gens de Ninive. So God has stopped the curse that he wanted to put on Nineveh. Je prie pour une personne ce matin. I pray for someone this morning. Quel que soit le jugement qui allait s'abattre sur ta vie. No matter the judgment that was coming upon your life. Mais parce que tu as commencé ce jeûne. But because you started the fasting. Le Seigneur ne le fera plus. The Lord will not do it. La résolution du Seigneur contre ta vie. The resolution of the Lord against your life. La résolution du Seigneur contre ta maison. Against your household. La résolution du Seigneur contre ta famille. Against your family. Le Seigneur va s'en résolu, se retourner. The Lord will repent. Et il enlèvera cela au nom de Jésus-Christ. And he's going to remove it. La Bible dit que la nation de Ninive a été sauvée. The Bible said that the nation of Nineveh was saved. Le troisième témoignage c'est celui d'Esther. And third testimony is the one of Esther. Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4 verse 16. La Bible dit une jeune fille. The Bible says a young girl. Cette jeune fille, mon frère, ma soeur, était orpheline. She was orpheline. Et la Bible déclare qu'elle a grandi entre les mains de son oncle. So the Bible declared that she grew in the hand of her uncle. Et par la grâce de Dieu, elle est devenue reine de cette grande cité, de cette grande ville de Perse. And by the grace of God, she became a queen et in voilà that city. Que dans cette position, une personne maintenant menace de détruire son peuple. So now in that position, someone came to menace and to destroy his people. Bien qu'elle était reine. Even though she was a queen, Esther savait qu'il y avait des lois établies. Esther knew that there were established laws. Et que ces lois ne pouvaient pas être détruites par les mains des hommes. And those laws could not be destroyed by the hand of men. Elle savait que sa beauté ne pouvait pas détruire cette loi. So she knew that her beauty could not destroy those laws. Elle savait que bien qu'elle était mariée à cet homme-là, ces lois étaient plus fortes que les mariages. She knew that even though she was married to a man, but those laws could not destroy. La Bible déclare qu'elle a trouvé un moyen pour aider sa nation. But the Bible declared that she found a way to destroy and to save her nation. Verset 16, la Bible dit ceci au verset au chapitre 4. Verse 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour.
moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Voilà une personne qui comprend que non. Même dans ses mariages, ce n'est pas parce qu'il m'aime, ce n'est pas parce que je suis avec lui ou avec elle que tout va bien et que j'aurai tout. She understood that even though I am inside this marriage, but even though he loves me, it's not that I will have everything the way I want it. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer, en train d'agir dans la vie de mon mari. There is something that is blocking and is acting in the life of my husband. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train d'arrêter que mon mari puisse me protéger. There is something spiritual that is stopping my husband to love me the way he dit, Esther entra dans les jeûnes. So the Bible said that Esther entered into fasting. Et au travers de ces jeûnes, mon frère, ma sœur. And through fasting, elle a pu déjouer les plans de cet homme méchant. She was able to change the plan of that evil man. Cet homme qui voulait détruire son peuple. That man that wanted to destroy his people. Et le Seigneur a donné la victoire aux enfants d'Israël. And the Lord gave victory to the children of Israel. Mon frère, ma sœur, il en sera de même pour toi. That will be the same for you. Je parle de toi dans ton foyer. I'm talking about you in your house. Les choses que tu vois physiquement ne sont pas naturelles. Those things that you see physically are not natural. Ces oppositions que tu as dans ton mariage ne sont pas naturelles. Those oppositions you have in your marriage is not natural. Ces problèmes d'adultère dans ton mariage n'est pas naturel. Those adulterous problems is not natural. Ces problèmes que tu as dans ton mariage de divorce n'est pas naturel. The problem that you have in your marriage of divorce is not natural. Ces problèmes de retard dans les mariages n'est pas naturel. Those problems of delay in your marriage is not natural. Les difficultés que tu as dans ton mariage n'est pas naturel. Those difficulties that you have in your marriage are not natural. Au lieu de chercher des solutions à gauche et à droite, instead of seeking for solution left and right, engage-toi dans le jeûne et la prière. Engage yourself into prayer and fasting. Et je t'assure que tu vas remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. And I assure you, you will have victory in Jesus' name. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et les derniers exemples sont dans le Nouveau Testament. And the last one is in the New Testament. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, 17. Matthew 17, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. 19 to 21. Voilà qu'on emmène devant les disciples un enfant qui était possédé par un esprit de mort. So they bring to the disciple a child that was possessed by the spirit of death. Et la Bible dit que les disciples ont tout fait pour chasser cet esprit de mort. And the Bible said that the disciple tried everything to cast that demon away. Mais ils ne parvenaient pas à chasser cet esprit. They were not able to do it. Et finalement Jésus arrive. So Jesus Christ came. Et Jésus chasse cet mauvais esprit. And chased that spirit out. Et les disciples viennent voir Jésus-Christ. And the disciple came and asked Jesus. Alors il s'approchait de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Le verset 20, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité, c'est-à-dire manque de foi. Unbelief. Il dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Et il ajoute une vérité profonde. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Il dit oui, vous avez besoin de la foi. He said yes, you need faith. C'est-à-dire vous devez avoir une fondation solide par rapport à la parole de Dieu. So you need to have a strong foundation on the word of God. Il faut que vous connaissiez les principes de la parole de Dieu. So you need to do the principles of the word of God. Et vous devez opérer selon les principes de la parole de Dieu. And you need to operate according to the principles. Mais lorsque vous voyez que les principes que vous appliquez n'arrive pas à amener des solutions à vos problèmes. But when you see that the principles that you use cannot bring it to have solution in your problem. Quand vous découvrez qu'il y a des situations qui deviennent des blocages dans votre vie. When you see that there are situations that becomes a blockage for you. Quand vous voyez qu'il y a des situations qui perdurent dans votre existence. When you see that that situation is taking long. Les moyens à utiliser. The means that you need to use. C'est la prière et les jeûnes. Is prayer and fasting. Que quelqu'un dise amen. Amen. Donc la vérité, mon frère, ma soeur, est que le diable est effrayé des jeunes. So the truth is that the devil is afraid of lorsque fasting. Un chrétien commence à jeûner, when a Christian begin to fast, le monde des ténèbres est en ébullition. The world of darkness is voilà pourquoi le diable n'aime pas que nous puissions danger. Parler de jeûner.
That's why the devil doesn't like us to fast. Parce que jeûner lui enlève le pouvoir d'opérer dans notre vie. Because fasting removes him the power to act in our life. Parce que jeûner lui enlève le droit d'établir l'orgueil dans notre cœur. Because fasting removes and take away his power to act in our heart. N'oublions pas pourquoi est-ce que le diable a été rejeté du ciel. Don't forget why the devil was chased away from heaven. C'était à cause de l'orgueil. It's because of pride. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan sur la terre. It was proud that make Satan to come et le diable veut que nous puissions aussi être orgueilleux comme lui. So the devil wants us to be proud like him. Voilà pourquoi il sème l'orgueil dans nos cœurs. That's why he brings proudness in our et heart. L'orgueil lui donne la possibilité d'opérer dans nos vies. And proudness give him the ability to operate in voilà our life. Voilà pourquoi Jésus disait aux Juifs, il a dit vous avez pour père les diables. That's why Jesus was telling the Jews that you have as father the devil. Il y a beaucoup de chrétiens mon frère mais ce sans le savoir lorsque l'orgueil est en nous, nous devenons compagnons du diable. Many Christians without knowing when proudness is in us, we become like the devil. Voilà pourquoi nous devons jeûner. That's why we need to fast. Pour que nous puissions briser cette relation avec le diable. To destroy that relationship with the devil. Et que nous puissions chasser tous les mauvais esprits qui sont entrés dans nos vies. And to chase away all those bad spirits in tous our les life. Démons qui sont venus dans notre existence. All the demons that came in our existence. Tous ces démons qui viennent tourmenter nos vies. All the demons that came to torment our life. C'est au travers des jeûnes. Through fasting, que nous allons nous séparer des mondes des ténèbres. That we are going to separate que nous allons rejeter les ténèbres. That we are going to reject the que world nous allons of libérer darkness. Notre âme de leur emprise. That we set ourselves free from voilà their pourquoi les diables power. N'aiment pas les jeûnes. That's why the devil doesn't like fasting. Lorsque tu commences à jeûner, when you start fasting, il commence à te montrer la nourriture. He starts showing you food. Quand tu commences à jeûner, when you fast, il commence à t'emmener la distraction. He starts bringing distraction. Toutes ces choses, mon frère, ma soeur, all those things, c'est pour t'empêcher d'entrer profondément. Demande les jeunes. To stop you from going parce qu'il sait que lorsque fasting, tu deviens humble, because he knows that when you humble lorsque yourself, tu es abaissé, when you humble yourself, la main de Dieu descend sur toi. The hand of God will be upon et cette you. Main te relève. And that hand will take et you tu ne up, peux plus rester sous l'emprise and du you diable. Cannot remain under the power of darkness. Que quelqu'un dise amen. Amen. Jésus-Christ lui-même venait de la montagne. Jesus Christ himself was coming from the mountain. De la transfiguration. Of the transfiguration. Là où il n'a pas mangé. Where he did not là où eat. Il n'a pas bu. Where he did not, mais il était en train de drink. Prier et de jeûner. He was praying and son fasting. Esprit était élevé. His spirit was very lui qui a vu Moïse. Exalted. He saw Moses. Lui qui a vu Élie. He saw Elijah. Il était dans la dimension spirituelle. He was in an elevated dimension. Donc, quand Dieu t'élève. So you see when God exalts you. Au travers du jeûne. Through fasting. Les démons de la mort partent. The demons of death. Les go démons away. De la stérilité sortent. The demons of les démons go de away. La destruction sortent. The demon of destruction les go démons away. Des maris de nuit partent. The demon of husband les of démons night de go sirène away. Partent. The demon of les démons des blocages partent. Of blockage go away. Les démons des ancêtres partent. The demon of ancestors go les away. Les démons des limitations sortent. The demon of limitation go les away. Les démons de pauvreté quittent. The demon of poverty go parce away. Parce que Dieu t'élève. Because God exalts you. Pour que tu you. Puisses accéder à tes bénédictions. For you to access your blessings. Je prie que ce programme. I pray for you for this program. Je prie que ce programme. I pray that this program. Que ce programme va amener la transformation dans ta will vie. Will bring transformation in your life. Je prie que ce programme. I pray for this program. Comme tu t'engages à partir d'aujourd'hui. As you engage yourself today. Va t'emmener à entrer dans ta bénédiction. We bring you to enter into your que blessing. Que toutes les situations qui étaient en train de tourmenter ta vie. That all the situations that was tormenting your toutes life. Toutes les situations qui étaient en train de déranger ta vie. All the situations that was disturbing your life. Que en entrant devant la présence du Seigneur. That entering into the presence of God. Que le Seigneur puisse te libérer. The Lord will set you free. Je prie qu'après ce programme, mon frère, ma soeur. I pray that after this program. Que ton cœur va s'humilier devant le Seigneur. Your heart will humble itself before ton the Lord. Ton âme va s'abaisser devant le Seigneur. And your soul will humble itself before the Lord. Et tu seras élevé. And you shall be exalted. Pour obtenir la délivrance. To receive your deliverance. Pour obtenir la guérison. To receive your blessing. Pour obtenir le salut. To receive your salvation. Pour obtenir la vie éternelle. To receive eternal life. Lève-toi partout là où tu es. Stand up wherever lève you are. Lève tes mains vers le Seigneur. And lift your hands up. Et dis Seigneur, je veux jeûner. And say God, I want to fast. C'est ma décision. That's my decision. C'est ma volonté. That's my will. C'est mon désir. That's my desire. Je veux jeûner.
I want to fast. Je veux humilier mon âme devant toi. I want to humble my soul before you. Je veux humilier mon âme devant toi. I want to humble myself. Je veux humilier mon âme devant toi. I want to humble my soul. Pour entrer dans la dimension. To enter into that dimension. Que tu as préparé pour moi. That you prepared for me. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Oh Seigneur, donne-moi la force. Oh Lord, give me strength. Élève ta voix et prie maintenant. Lift up your hand. Oh, je veux aussi avoir un témoignage. Oh Lord, I want a testimony. Comme Esther. As Esther. Je veux avoir un témoignage. I need a testimony. Comme les gens de Ninive. As the people of Nineveh. Je veux avoir un témoignage. I need a testimony. Comme cet enfant qui était délivré. As that child that was delivered. Je veux avoir la délivrance. I need deliverance. Je veux avoir le salut dans ma vie. I need salvation. Oh Seigneur, soutiens-moi. Lord, help me. Pendant cette période. During this time. Dans le nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Lift your voice and pray. Que le Seigneur te donne la force. Let the Lord give you strength. Que le Seigneur t'assiste aujourd'hui. Let the Lord assist you. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Nous allons prendre la Sainte Communion aujourd'hui qui va nous fortifier. Le pain céleste, le pain de l'Alliance. Nous allons prendre la Sainte Communion aujourd'hui.